Hey, bonjour à vous, c'est Kuncho, et pour un petit live, je vais faire le premier raid en solo pour tester, on va dire, en mode blind. Je connais pas du tout ce raid, donc on va y aller quoi. Donc voilà, on va taper dans le vif du sujet. Dommage qu'il n'y a pas le son des personnages. Dommage. Bon ben, ça va être le fight. Allez, c'est parti. Le gardien des limbes. T'as est stylé. Il est stylé. Ok, bon, j'espère que ça va passer, hein, ma foi. Qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Ok, d'accord. Okay. Bon, on va être ok, hein, ma foi. On va voir ce que ça va donner. Alors, on va se manger une petite pizza. Où c'est les dégâts? Hop. Bon, ça va être la découverte totale, hein. J'ai jamais fait ce raid là. Enfin, ce défi plutôt. Ouais, défi. Ok, d'accord. Ok. Ça commence bien, hein. Je suis un petit peu tarif là. Ok, ça va de droite à gauche, si je me tombe. Je suppose que le prochain ça va être là. On va se poser. Avec sa main et sa... Je sais pas si c'est une faux, je sais même pas exactement pour regarder qu'est-ce qu'il avait comment. Je le sais pointe. Donc, toc. Non, c'est l'autre échelle en fait. C'est juste quand il bouge ses mains. Il faut faire attention à ses mains quand il les positionne pour voir où il va taper. Je ne comprends pas ça. Je crois que je dois aller là. Je suis pas sûr. Je sais pas. Je crois que j'ai failli tuer deux personnes de ma team. Je ne sais pas. On voit Kalimasen. Je crois que je vais crever. Je vais crever, je pense. Oh, un petit peu de vie. Je crois qu'il fallait que je dans la glace. Mais je crois que j'ai un doute. Je ne crains que j'aurais dû aller là-bas. Je crois que... Ouais, ça doit être ça. Ça...
pointe de... Là il va faire du feu, donc je suppose qu'il faut pas aller dans le feu, en tout cas. Possible. Donc en gros on va voir... Chaîne rétribution. Chaîne rétribution... Ouais, c'était ça, il faut aller sur le gauche. Les chaînes d'attribution, c'est trop bon. Je sais pas du tout. Voilà. C'est le bordel. Hein, voilà. C'est totalement le bordel. Bon ben c'est le premier wipe hein, ma foi, hein, voilà. C'est le premier wipe. C'est le premier wipe. C'est le premier wipe. Je sais pas comment on va faire, mais... Ouais! Alors, Circle Room, Eater of Fear, Hater, ok, attaque, ça j'avais compris. Ok. Cadran. Essayez en tout cas, hein. Dernier, je crois. J'ai bien trouvé. Ouais, après.
suivant sera le rouge. Ça va être le rouge, le suivant. Alors là, moi j'ai un truc que... Ok. Je suppose qu'il faut que je reste là. Ah, j'ai compris, je crois. J'ai compris. Donc là, c'est un feu, donc moi je vais là. Si j'ai bien compris, c'est ça. C'est le sort de triangle qui est au-dessus de ma tête. Donc ça, ça consomme ça. Ok. Après, je pense que je vais aller sur du... Je vais switcher sur, sur le... Si je suis passé de l'autre côté, je crois pas. Ok. Akali Mafen. Buster, le truc rouge, on s'approche pas de ça. C'est Campbell. Ma foi. Je tape, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Viole un ennemi. Ok, si on retourne avec ça. Ok. Chaîne, un peu. Donc le prochain en fait l'air, ça j'ai compris. Théoriquement le prochain ça va être rouge. Voilà, donc pas rester sur le mur. On cherche sur ma tronche. Ouais.
pris là sur le coup. Ok. Bon. Il était plutôt mal, on va pas mal, on va dire plutôt. Voilà. Je le trouvais simple, dans un sens. Après, il faut juste se rappeler la mécanique du feu et de la glace. Et après, les placements avec le feu et l'éther. Mais ça, après, c'est. Il faut juste retrouver le bon timing quand quand il y passe, quoi. Alors on va honorer. Je vais honorer le sage. Alors. Là, de toute façon je peux en avoir qu'un de chaque, je crois. Je crois que de toute façon il y en a 8. Donc c'est au meilleur qui gagne, hein, ma foi. Et après j'aviserai par rapport au nombre de tokens qu'il me faut pour faire une tenue complète. Si je peux choper du moins, tout ça, c'est un item par raid en tous les cas, donc voilà. Donc après ça va. Après c'est cas par cas. Ok, donc ben, j'aurai un torse. Ok. Et après faudra, je ferai tout le temps les. De toute façon les autres ça, je peux pas les avoir dans tous les cas. Dans tous les cas comme vous voyez en fait la fenêtre de loot, de toute façon elle est bien appréciée, de toute façon tout ça, tac tac. J'ai mon token. Allez, c'est parti. Donc là j'aurai la petite cinématique je pense avec Témis. Donc voilà, j'espère bientôt une reconnaissance. Je fais pas la lecture. Je vais lire dans ma tête. Ouais. Ou pas, je sais pas, il faudra que je regarde. Je suis pas très bon orateur des fois. C'est pas, c'est dommage qu'il n'y a pas de VO pour les raids. Ritsukasai, viens voir, je crois qu'il se réveille. La nuit. Va raconter de beau lui. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Bah tu t'es transformé en bestiole hideuse qui voulait nous faire la peau. Ça me revient vaguement. D'un coup, je me suis laissé emporter par une fureur aveugle. Et je vous ai attaqué sans raison. J'en suis profondément navré. Bon, profondément. Voilà. Grâce à vous, j'ai retrouvé mes esprits. Je vous remercie. Comme ça, ok. Je m'appelle Eri Knotos Nyo. Enfin, j'en peux. Bref, on va dire le mec à la chevelure rouge-rose. Bref, c'est un joli, ok. De Pandanium, je suis affecté à la section des limbes. La partie souterraine la plus proche de la surface. Ok. Pourquoi t'es-tu emporté à ce point? Que s'est-il passé dans le pandémonium? J'aimerais savoir moi aussi. Les créatures qui étaient enfermées dans les limbes sont soudainement sorties de leur cage et sont mises à attaquer tout ce qui bouge. Oh, oh le bordel! Le bordel! Envoie les terribles nouvelles! Est-ce déjà arrivé par le passé? Nope, apparemment. Non, chaque session de pendium est gérée d'une main de fer avec un grand géolier. C'est la première fois depuis la création de cet établissement. Ok. Mes compagnons et moi-même luttions avec acharnement pour ramener l'ordre quand je me suis soudain retrouvé complètement isolé. C'est assez con ça.
J'ai eu alors l'impression d'entendre des chuchotements dans ma tête, suivi d'un violent accélérage, puis plus rien. Ok, d'accord. Et tu es probablement manipulé par un sort contrôle mental, le même qui aurait également servi à te séparer du camarade. Ok. Et pourquoi vous êtes là, vous êtes là tous les deux, la nouvelle de ce regrettable incident serait-elle déjà ébruitée? Ok. S'il vous plaît, dites-moi si vous avez d'autres informations. Je suis assez pointe. Ok, ça parle, tac tac. Angie pour ton témoignage, son auteur est sans doute la même personne qui a libéré les créatures selon son identité à l'heure actuelle. Qui c'est qui a ouvert la... Tammy, c'est bien ça. Tu appartiens à une organisation liée au Concile des 14. À ton avis, comment réagirait-il s'il savait... Enfin, s'il avait vent de cette affaire. Ah, je vais essayer de parler. Bon. Il ferait sans doute fermer le pandémonium. Dans le pire des cas, il pourrait même décider de raser purement et simplement l'endroit. Ok, d'accord. Éradiquer. Ah, c'est pire que des Daleks. Évidemment, il n'hésiterait pas une seconde face au risque de devoir des bêtes féroces clashées dans la nature. En même temps, le temps presse, il faut compter sur l'autorité compétente. Je vais retourner moi-même à l'intérieur et aider mes compagnons. Ok. La tronche. Trop le Témis. J'espère que tu pourras le sauver tout seul. Je peux pas les laisser à leur sort. On sait tous serrer les codes. Boum. Les coudes, les codes. Serrer les coudes pour se protéger les uns les autres, tout en efforçant de mater les créatures. Je n'abandonnerai pas, je t'en prie, Témis. Accorde-moi un peu de temps avant de rendre ton rapport au concile. Désolé, Knios, j'ai rien contre toi, mais ce que j'ai pu voir tout à l'heure n'est objectivement pas de taille à affronter un tel danger. Mais j'ai pour mission d'acquitter ce premier, alors je ne peux pas repartir sans même avoir jeté un œil intérieur. Et puis nous attendions à voir, enfin à découvrir. Devoir en découdre. Bah vrai, il se casse. Ouais, tout le temps là pour faire du fight. Il savait que j'allais aller pour elle. Et sinon, tu ressembles à mon ami par bien des aspects. Normal, c'est la même âme. Trop tôt pour tirer des conclusions, ok. Ok, d'accord. Pourquoi pas sur ton plan, notre plan. Ok. Risque essaye, mon nom est celui de mes compagnons. Je te remercie du fond du cœur. Pas dans ton cœur. Ok. Let's go. Un coup de trio. Ok, d'accord. Bon, il est entamé notre opération de sauvetage. Commençons par nous approcher de l'entrée principale, espérant que rien d'autre n'en surgira. Et encore trois raids, hein. Enfin trois raids, hein, je vais dire, mais. Je ne crains qu'il y ait d'autres bestioles à taper. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Ok, ça. Je vais récupérer des coups nets. Oh, merci à Monarchiste pour le follow.
Et bienvenue sur la live. Alors, donc là, on va débloquer le deuxième raid. Alors, la petite cinématique. Ben, oui, a priori les créatures et mes collègues geôliers sont encore à l'intérieur. Il faut trouver un moyen de tous les sauver. Ok, on va essayer. Dis-moi, machin, enfin bref, la personne là. Si j'ai bien compris, tu veux secourir non seulement tes compagnons mais aussi les créatures, n'est-ce pas? Oui, elles sont dangereuses certes, mais elles ont une valeur scientifique inestimable. Leur perte serait préjudiciable à nos recherches. A eux, monster. La Abrea serait fière de toi s'il t'entendait. Dommage qu'on ne doive rien lui dire. Attends, il sera pas content. Honnêtement, j'ai du mal à l'imaginer se réjouir de quoi que ce soit. Ouais. C'est pas faux. Tiens donc, l'aurais-tu déjà rencontré? Il paraît pourtant qu'il ne vient, pour ainsi dire, jamais au Pandemonium. C'est bizarre. J'en ai entendu l'occasion, oui, mais je dois surtout beaucoup à son prédécesseur. Ouais, c'est vrai que le Concile des 14 n'ont jamais été le même à une époque. Ouais. Je vais parler de l'ancienne directrice Athéna. Ah oui, Athéna était pas mal marrant. Elle a fait du bon taf. Avant d'accéder à son poste, elle travaillait elle aussi à l'Institut Laabrea. C'est notamment grâce à elle que j'ai été nommé Jolie. Je ne savais pas que l'Ordinium avait été dirigé par quelqu'un d'autre que la Laabrea. Non seulement pour l'Institut, mais aussi par respect envers ton mentor, que tu souhaites préserver tes sujets de recherche. En quelque sorte, oui, mais malheureusement, je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne peux pas utiliser le sort cage, contrairement au grand geôlier. Ah, il faut que j'explique le sort cage, une déclinaison plus puissante du sort type chaîne qui est employée quand nous sommes affrontés. Ok. Ok, d'accord, c'est pour maîtriser la créature. Mais seuls les gens, les grands geôliers qui dirigent chacun une section de Pandium sont autorisés à utiliser la cage. De toute façon, je n'aurai pas l'énergie magique nécessaire pour le lancer. Je vois, je connaissant en effet des sorts enchaînements qui ont d'ailleurs été inventés par la Abrea, si mes souvenirs sont bons. Enfin, sont corrects. Ils n'entravent que temporairement leur cible, mais j'imagine que leur pendant amélioré l'emprisonne de façon permanente. Ah ouais, chaud. Gros, t'as empoisonné ta vie. Ok, d'accord. À juger par les alliés éphémères que tu as matérialisés pour aider, est-ce que ça, tu sens avoir des connaissances en pointure de bougie? Tami, serais-tu en mesure d'utiliser cache? Non. J'ai bien peur que non. On va lancer un sort aussi avancé, il faut en avoir percé des arcanes. Ok. J'en ai fait une certaine maîtrise de l'art de magie, mais je serais probablement incapable de m'improviser grand geôlier pour une incantation dont je ne sais rien. Et en fait, cette question peut être été, je me charge de me battre, débrouillez-vous pour le reste. Allez, moi je vous lègue tout. Moi je tape. Je tape. Chacun son rôle, mais attends. Attends, j'ai pas la tâche, il y a peut-être un moyen de s'en sortir. Ok. Erich. Ah, j'ai appelé son nom. À supposer que tu saches parfaitement comment
fonctionne le sort de cage, tu peux t'occuper d'incantation et que je fournisse sur l'énergie magique. Ah ouais. Ça peut être intéressant. À nous deux, on pourra le lancer. Okay. Exosome, en revanche, la moindre erreur de ta part, je pense, va tomber dans le même. Faut qu'il a confiance en lui! Ah. Apparemment, il est décidé. Fais-moi confiance, j'ai vu le grand geôlier effectuer cette incantation de nombreuses fois. J'y arriverai! Ouais! Croyons en lui. Ou pas. Bien, on se concertera avec Preltai en trouvant un cobaye sur lequel expérimenter notre petit stratagème. On peut pas risquer de se faire encercler en choisissant ça le possible. J'ai vu un hippo. Alors, on a un hippo camp. Une créature aquatique s'aventure dans la cloaque. Ok. Ça concerne un endroit, je pense qu'on sera pas dérangé là-bas. De plus, c'est proche de l'entrée. Enfin. Ok. C'est qu'on va y aller. Au camp, il faudra la figure sur essayer de capturer. Ok. C'est moi qui dois me retrousser les manches. Ok. Fun. Et attention les gars, on évite alors du commun. De plus, il sera dans son élément et pourra sûrement manipuler un réseau, les plugs soient prudents. Fun. Ça m'a l'air. Ouais. Bon. On va tenter le truc. Bah attends. Mais non. Attends. Bon, juste à cliquer là. Donc c'est le clock que je dois faire. Petite pause là, on vous laisse en devant le donjon et j'arrive dessus. Allez, c'est reparti. Allons-y. Allez, on va rechercher pour le raid. Allez. Bon, ça met moins de 5 minutes. J'espère que c'est rapide. Donc voilà. J'espère que sur le live, vous m'avez bien entendu depuis jusqu'à maintenant. Sinon, j'ai réglé le son.
Bon, les gens qui sont sur le live, dites-moi si vous m'entendez bien quand même. Ça me ça m'aiderait. Alors, je pense que ça va pas me mettre 10 ans pour recharger du live. Enfin, du moins que ce soit pas trop long pour attendre, quoi. Pour le raid. Ok, ils disent quand même moins de 5 minutes. Allons-y, allons-y. Il faut que je mange une bouffe là. Hop. Faut être petit quand j'en mangeais deux pizzas. Et en attendant. Ça va bien de temps, il y a deux heals, deux DPS, enfin un DPS avec moi, il en restera trois, deux tanks à chercher et un DPS. Ouais, deux DPS. Voilà. Ah bah voilà. Bon bah allez, c'est parti. Allons taper le deuxième raid. C'est y part. Allez. En tout cas, j'aime bien le design. Je suppose que c'est le premier truc à taper ou ça m'a l'air un sort de dragon, je sais pas. Je sais pas, c'est un mix. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je ne sais point qu'est-ce que c'est, mais ça ressemble à un. T'as vu l'autre, carrément la coiffure qu'il a. La coiffure des années 70. Mince. Ok, c'est. Ah, c'est un cheval, dragon, je sais pas, c'est assez bizarre. Je sais pas, je connais pas la strat, donc ça va être chaud. Si vous voyez, mais en fait autour du boss il y a des sortes de cages, de carrés. Je suppose qu'il faut être sur le carré, un des carrés quand il fait une attaque comme ça. Et en fait on doit voir par rapport à. Ah ouais, j'ai vu. Je crois que c'est par rapport en fait quand devant la tête du boss, grosso modo il y a une flèche rouge.
Et je pense que ça va. Ça prend sur cet endroit là, je pense, pour quand il lance une sorte d'attaque en carré, mais avec un bout qui a. Enfin, une zone safe. Je pense que ça doit être ça. Donc là, en fait, je suppose qu'il peut être sur les carrés. Et. Pas au mid. Tarif, je suppose. Là, je crois qu'on peut. Je crois qu'on peut. Hop. Merde, il y avait quelqu'un à côté. Ok. Là. Ça joue. Ok. Pas qu'est-ce qu'il fallait faire, bon je suis mort. Ok. Je ne vois pas le truc, en gros là il tombe. En fait en gros il faut être tout près de lui quand il fait comme ça pour qu'il nous expulse pas hors du terrain mais qu'il nous envoie du moins dans la zone carrée. Fight. Ok. J'ai fait l'attaque. Donc là, ça va être un peu cher. On va s'y aller. Rester sur la zone. Ça, il faut être soit sur ses. Soit devant lui, sur les deux côtés. Donc ça, c'est des trucs progressifs, donc c'est qu'il faut courir tout autour de la zone. Bien sûr, faire gaffe de pas trop le mettre sur le tank. Là, il faut. Oh putain. Ah, tout ça, on met ça sur les cadrans, pas sur les côtés. Hein. Il m'a l'air costaud tout ça. Un petit peu loin du heal. C'est moi il majeur. On a perdu quoi? On a perdu. C'est bon, c'est pas les deux healers. On a perdu le mage rouge. Il y a moi qui KO et l'autre pas dragon. Ok. C'est bien pour ce game. Okay. Théoriquement, il doit être près de là où il est le tank maraudeur. Pour se faire injecter ou utiliser à bord de. Enfin, utiliser compétence, c'est ça là, portée droite. Faut pas être injecté du terrain. J'aurais fait l'autre avec sa tenue rose et. Et sa coiffure dessinée. Voilà quoi. Ouais. Ok. J'attends qu'un raise soit fait, je pense quand même qu'il va se faire raise, mais j'espère qu'il raise le heal en premier. Putain mais c'est dégueulasse machin. Là ça envoie ici, après ça envoie plein de petites zones qui nous paraissent grand. Ok. Costaud là. Un peu plus chiant. Donc là il reste plus que les deux healers et les deux tanks. Okay. Ça va être chaotique là. J'ai
sais pas quand ils ont leur magie prompt pour essayer de raise du moins 2 DPS minimum. Je sais pas si ça va le wipe ou pas, non. Non mais il a raise ce qu'il fallait, le mage rouge qui peut raise. Ah, il fait rien avec la QLP, il a. Tank. Non, c'est tank ça. Non, c'est là. Ok. Je crois que c'est une bonne idée ça. Et allez, tap 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 tap. Fichtre. J'étais à deux doigts. Vas-y. Ah, je vais pas bouger, je bouge pas. Normalement ça devrait pas me toucher. Parce que quand vous êtes reste dans son jeu, c'est que le truc c'est qu'il faut pas bouger les secondes que vous êtes après vos stress, sinon vous prenez tous les dégâts qui sont en cours dans le truc. Ah mais t'approche pas de moi toi. Oh putain. Ok, c'est un truc à partager ça. Ok, d'accord. Ça. Je sais, si je vais en fait les aider, je meurs. Il y a des chances. Ça, avec tous les dégâts, les copains. Ouais, tapez. Non, c'était pas là. Ah, shit. J'ai envie. C'est magnifique. Nope. Je sais pas si c'est une bonne idée de rester là. Ouais, c'est bon. Ah, c'est trop bien, c'est fait. Je vais passer où je vais lancer. Rouge, il faut rester.
viser près de ses teammates, s'il me prête. Non. Non mais... lol. Ok. En plus c'est un stand en plus, il fait son attaque et après il envoie directement la moitié du décor c'est moi. Bon, je vais taper les 4 les autres raids comme ça, ça demain je pourrais les enchaîner parce que c'est les raids en fait ça se réinitialise tous les... ça se réinitialise tous les... comment ça s'appelle, les minimum... oh non. Oh, il y a plus rien à sauver. Hop, non, il va falloir que je fasse la merde. J'ai couru comme un dératé sous le boss. En pensant esquiver les boules sur le sol. Et... qui est peu de dégâts. C'est quand même malin celui-là. Hein. Oh. Parce que j'aime bien la, la mécanique. Ça rappelle des anciens mécaniques qui avaient déjà de base en fait. Ouais. À un moment donné, tu viens pas. Hein. Je ne sais pointe. Donc là, ça va taper là-bas, donc je sais pas ce qu'on fait là. Voilà. Hein. Voilà. Et les capoutes. Ah, j'ai passé le 2, deuxième. Une sorte de chien, je sais pas. Chien. Truc bestiole. Enfin, c'est du moins une bestiole assez bizarre. Donc là, hop, ils enclenchent le petit sort, l'autre du buff en mana. Lui, il lance le sort. Et pouf! Ça fait des chocs à pic. Allez, capture. À la tonche. Stylé quand même le style de prison là comme ça, j'aime bien. Stylé le splash. Et voilà. Alors on va honorer, je vais honorer un des healers, je sais pas lequel qui m'a healé le plus, on va dire. Donc là, hop, je fais besoin, je fais besoin, je fais besoin, j'aurais un... je voulais choper le torse, mais... ok, bon, ben j'aurais une jambe, un torse, ok. C'est y part. Allez. Oh, il y en a qui m'a honoré, merci. Merci bien à toi, qui m'a honoré dans la game. Allez, on va passer à la suivante. Merde, j'ai ouvert un texte. En fin de compte, notre stratégie a fonctionné à la perfection, je dois une fière chandelle à tous les deux. Ah, ok, d'accord. La quantité d'énergie que tu as envoyée est impressionnante, ça veut dire je ne suis pas très doué pour la magie, alors je n'aurais jamais imaginé pouvoir lancer un sort puissant, mais maintenant je n'en reviens pas. Ok, il en revient pas, il est sur ses... voilà. Il est vraiment important les sorts d'enchaînement que tu as utilisé face à Rizuka, ça a été remarquable. Ok, quoi qu'il en soit, c'est une chance inouïe de t'avoir à mes côtés. Je commence à pas... ça, ce point n'est pas fini. Ok, j'ai pris des critiques de... j'ai pris connaître le critique. Ça. Allez, au suivant. On va tous la débloquer. Alors, je suis heureux que nous avons réussi à imposer l'hippocampus. Mais je mets
Le fait d'avoir retrouvé un contrat des autres que chevalier, ça m'inquiète un peu. Oui, c'est inquiétant. Le grand geôlier a peut-être raison. Les postures vers le front des limbes, c'est un homme prudent. Ok. Un homme prudent, hein. Parlons-en-nous un peu plus de lui. Jusqu'à présent, tu nous as seulement confié que chaque section était dirigée par un grand geôlier maîtrisant le sort de cage. Ok. Ce monsieur-là. Celui, l'homme Esperos. C'est un homme compétent, calme et raisonné. Il connaît toutes les créatures sur le bout des doigts ainsi que les aptitudes de chaque geôlier. Et il attribue les postes en fonction des affinités de chacun. Ok, d'accord. D'ailleurs, il a toujours été bienveillant envers moi malgré mes lacunes en magie. Esperos peut non seulement manier une magie cage, mais aussi employer la magie créatrice pour modifier l'environnement avec sa guise au sein de Brandium. Et il est le mieux placé pour évacuer les autres geôliers en toute sécurité. Ok, en gros, c'est la clé de voûte. Okay. Rue à toi, McBrad. J'espère que le son va bien sur le live, j'espère. Voilà. Non, je continue avec Thémis. Il peut altérer l'environnement, dis-tu. L'hippocampos était à son avantage dans le cloaque. Transformer l'endroit en milieu aride nous aurait permis de le piéger plus rapidement. Ouais, normal. Soit pas dans son environnement. Alors, si Eperos est vraiment doté d'un tel pouvoir, les geôliers sont sans aucun doute entre de bonnes mains. Nous devrions aussi le rejoindre le plus vite possible. Je pense qu'il va prendre cher lui. Dans ce cas, je suggère qu'on descendions au fond des limbes. Il existe là-bas un passage qui mène au purgatoire. Ça doit être une partie de plaisir là-bas. La section suivante, ok. Pour les geôliers, il est a priori moins risqué de se rendre que de se frayer un chemin vers la sortie. Ils sont décidés de chercher ailleurs. Nous les retrouverons peut-être en cours de route. Ok. Ça vaut le coup d'essayer, ne serait-ce que pour avoir le cœur net. Avec un peu de chance, on pourrait même trouver de l'aide sur place. Par contre, ce ne sera pas une promenade de santé. Pour atteindre le fond des limbes, il nous faudra traverser un long hall où se terre vraisemblablement le proto-phénix. Ah, ça va carburer au feu, ça, dis-moi. J'ai entendu parler, sa mémoire est bonne. C'est une chimère de feu issue de l'exploration du concept d'oiseau immortel. Ça va piquer. Oiseau mortel, connu plus le nom de Phoenix, qui est réputé pour ses pouvoirs curatifs hors du commun, ses flammes c'est une autre entité fantasmagrique, des puissantes qui soient. Ok, d'accord. La barre lui-même a laissé de nombreux échecs en obtenir un résultat concluant. Ouf. Ça va être un monstre de feu qui va faire chier. Avant lui, diverses spécialités de France. À ce concept et les tentations données sans se manquer à ce truc. N'étant pas immortel, celui-ci est un échec. Tout utilisé, il cherche à brûler tout ce qui bouge. Ok, sa sûreté extrême lui a valu d'être envoyé au Panadium. Ok, je comprends pourquoi. Mais bon, il veut tout brûler. Après des années d'antibiotiques, on a abandonné le chiant, l'exploit. Il est possible d'accomplir la question des chercheurs de l'Institut de la Ravaya. Ok. J'ai frissonné de joie quand j'ai appris que la voix avait enfin réussi à donner naissance au phénix après tant d'efforts. J'imagine que tu as ressenti une même émotion en entendant la nouvelle Erichio Tonio. Je me souviens pas, les activités de là-bas sont institut de. Pas vraiment là-bas, ok. Bon, pas dans le groupe, ouais. Ils s'en foutent un peu de lui. T'es là, tu craftes, tu fais tes trucs, enfin tes créatures, mais. Pour en revenir au photonique, si j'ai vu se diriger vers le hall, maintenant au fond des limbes, après que les créatures sont libérées, il faut vraiment qu'il rôde encore. C'est un monstre le plus dangereux de cette section, alors il serait bien sûr préférable de croire
croiser son chemin. Selon Indy, si nous parvenons à le capturer, cela falistera la cité. Ok. Oui, je suis d'accord avec toi, et au moins il ne pourra, pas servir de revêtement dans un hall de pierre, contrairement à l'hypocontos qui manipule les hauts du cloaque. Mais il pourra nous carboniser, non? C'est un phénix. J'ai peur là. Magbra, donne-moi la force. Ah franchement, il est trop beau ce hall. Elle me dit pas qu'il est derrière la fenêtre, c'est ça? Je crois qu'il... Ah ouais. Oh. J'ai cru voir un phénix. Je crois que t'as encore du chemin à faire, hein. Largement. C'est 90 là. C'est du endgame, si on va faire. Enfin, c'est le début des 4 premiers raids qu'on fait en endgame. Ah, oh, mais c'est trop stylé! Que s'est-il passé? On s'est fait TP! Soit un ring, ou c'est tout en feu. Allez, on se téléporte. Tac tac tac. Oh putain, c'est trop stylé! Trop stylé! C'est vraiment stylé là. Vivement que la suite. Il semble que notre fauteur de troubles a modifié de pierre en faveur du feu. Proto-phénix. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Une altération de cet avant-gardien n'est pas à la portée de tout le monde. Probablement, quand on sera sur le photophénix, nous réfléchirons une fois de plus. Donc, quand on l'a capturé, voilà. Et... ma foi. Donc là, ça va être l'ouverture du troisième raid. Je me demande qu'est-ce qu'il y aura en quatrième raid de ces sections là. Autoriser l'arme de Pandonium, la fournaise. Ça va être chaud là, je pense. Très chaud. J'espère qu'il y a la crème solaire, crème anti-solaire. Oh, j'ai vendu un truc. Ouh, j'ai vendu 48 000. Intéressant. Intéressant. Bon, ben c'est y part, hein, on va à la fournaise. Hop, on décoche celui-là et on coche celui-là. C'est parti. J'espère que je vais pas mettre 10 ans. Bon, mais silence radio le temps que ça charge. Enfin, tous des gens. Si ça charge maintenant, c'est parti. Et juste une petite apparence, enfin un petit message. Si vous cherchez une guide actuellement sur Final Fantasy 14 Online, dites-vous que nous on recrute, mais uniquement des gens qui sont plus de 18 ans et qu'on accepte anciens et nouveaux joueurs. Il y a juste 18 ans ou plus, on va dire. Sinon, on prend pas. Voilà, après pour l'instant actuellement sur où on est, on avance tranquillement, mais après on aura plein des événements qu'on fera au final. Donc si vous êtes intéressé, venez sur le serveur de Zordiac et postulez chez nous. Donc voilà. Donc c'est parti. Allez, on va faire le raid des limbes de Pandonium, fournaise. Je
pense que ça va brûler. Ça va brûler. Mike Brad, t'as pas de... Je sais pas, un truc pour... contre la chaleur, hein. Là, je sens que ça va brûler, mais sévère. Vu que c'est le phénix, j'ai peur. Allez. Quelle tronche ils ont, mais... Oh putain. De la Lafel. Non, il y a de la Lafel. Au secours. Ça fera même pas un casse-croûte pour le phénix. Putain, il est trop beau. Je kiffe. Ah ouais. Stylé. Il est stylé. J'ai hâte de voir la truc. Alors. Hello, regarde. Comme je demande la sortie en anglais, on sait jamais. S'il y a un truc à savoir direct, parce que je suis peut-être en blinde et essayer de voir comment le faire et tout, mais ça m'a l'air un phénix, ça m'a l'air un petit peu hard. Un petit peu too hot. Ça m'a l'air chaud du moins. J'ai un petit peu peur pour ma santé. Est-ce que j'ai assez de bouffe? Ouais, 30 minutes sur encore de la bouffe. Ça c'est bon. Pour les gens qui se demandent si j'ai pas de webcam, pour l'instant j'en ai pas, on va dire. Enfin voilà quoi. Et il faut que j'aille au gaffeur. Voilà. Sinon, soon, putain, peut-être dans quelques temps, je verrai pour me racheter une webcam intéressante. Intéressante plutôt. Et je verrai, cas par cas. Et après, il faut un fond vert et tout. J'ai fait ça, les amis, je ne fais pas la mienne, sinon ça va là. Aligner. Oula, je crois qu'il faut rester au milieu, non? Et switcher là! Ah, j'ai plus quand même. Ok, regarde. Ok. Ça non. Cher. Ok. J'ai pris la sausée. J'ai cramé. Le son du jeu est trop fort. Ah bon? Le son est trop fort du jeu. Il faut faire quoi? Faire quoi? Je sais pas, je vais mourir. Ou pas? Non. Je peux pas. Ah, je peux pas trop régler le son donc c'est un peu en phase fight. J'ai pas le time d'aller dans les paramètres. Je crois que j'avais réduit le son, je pense que le son ça va. Oh. Limite. Non. Je suis pas dans la limite. Ok, d'accord. Bonjour. J'ai peur là. Il y en a qui va sur le côté donc je lui pose qu'il faut aller sur le côté. Ah putain. Bon. Putain, c'est trop beau. Je suis pas souhaité mais. Là, je vous mets sans le hub. Faut que j'ai l'œuvre. Je suppose. Ouh. Ok. Je sais pas s'il faut rester dans le vent. Je sais pas du tout. Je crois qu'il faut défoncer les phoenix, les petits. Je crois que sinon on va mourir. Je le sens gros comme une maison. Il faut les DPS à la même puissance, non? Je sais pas.
faut rester dans les. dans le. En tout cas il faut rester dans le vent. J'ai bien compris. Ça, ça c'est bien compris. Si on reste pas dans les cercles, en fait on meurt, tout simplement, je crois. Ouais, c'est bon, je sais. L'autre oasion, je crois qu'il y a un temps limite, je pense. Ok. Bon, là on a défoncé tous ces petits. Ok. Là, je vois. Il faut rester sur le pont. Ok. Je suis perdu. Par quoi là? Taper? Taper. Ok, on tape. Phoenix noir, ça pue. Et c'est le wipe! Voilà! C'est le wipe. Faut qu'on baisse le son. Je sais pas, je trouve que c'est bien, donc. Peut-être ambiance sonore. Ce système, c'est pas ça. C'est là où j'ai pas compris avec les flammes. Faut déplacer les flammes, non? Je comprends pas. Ah, je crois que c'est les gens qui ont les trucs autour d'eux qui défoncent les flammes en fait. Je pense que c'est ça. Ah, c'est ça. Ok, là il faut se mettre sur les côtés. Voilà, je flamme, crame le sol. Donc là il faut aller là où il y a la zone des trucs et défoncer les petits X on va dire. Tout en évitant la zone d'attaque de. Là, je suppose qu'il faut aller suivant. Voilà ce qu'il fait. Tac. Le troisième là et le quatrième à vitesse.
cher papam. Je crois qu'il faut sortir de ça. On crame un peu. Et on tape par contre, ça va être le boss. Et là c'est... la chance avec nous. Ah il faut... ah il faut utiliser la ALB, ok. Il faut que le temps qu'il claque la LB ici pour qu'on puisse survivre. Tu veux me dire? Ok. Correct. Donc là ça tape sur le côté. Oh, regarde, sur ses ailes normalement je crois qu'il donne un coup d'aile normalement. J'ai bien. Ok. Alors ça d'abord ça découpe là, après ça tape là, là où je suis normalement, ça devrait être correct. Ou pas. Je m'en vais. Oh non. Ah. Heureusement j'ai claqué mon sort de heal même. Ah. Non ça fait la mode. Hop, tiens, prends ça. Proto Phoenix. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça, mais ça pue, ça pue, ça pue. Je crois qu'il faut... attends. Ouais, c'est ça. Faut être plus loin. Mais j'aurais dû mettre où il y a le tank avec les autres DPS, parce que là je vais pouvoir rien faire du tout. Ouais, c'est fini. Maintenant dans ton huc. Ça on va déposer. Ah mais me suis pas toi. Je sens que ça a brûlé. Ça a brûlé. Ouh. J'ai eu quand même la zone. Bien. Je pense être en sécurité. Donc là il va faire son attaque sur les côtés. Hein. On se met sur le côté. Ah c'est un healer. Ah non c'est un tank. Attends. Ah c'est le paladin. Ok. Le paladin. J'ai un... Elle avait le paladin, mais sérieux. Mais non. C'est un paladin. C'est un nain. Ça claque là, ça claque là. Donc le mieux c'est que j'y aille là. Et je cours là. Voilà. Voilà. Esquiver. Tiens, ça, tiens. Oh non, j'ai fait. Ah, j'ai fait le coche. Merde. Ça a cavalier ça. Ok. Allez, la vie. Comme ça, je donne des dégâts aux amis. Là, là, hop. Donc là, je fais les armes. C'est correct pour moi, je suis un DPS CAC. Là, je vais me mettre. Ok, j'ai un truc pour vanish ça. Là, je vais vanish. Ok, ça, ça vanish le truc au sol. J'avais un truc sur ma tronche ou... C'est claque le heal. La LB heal. La LB heal. Ah, c'est bon. On est encore en vie. Tout n'est pas fini, tout n'est pas cuit. Voilà. La mécanique là, j'ai pas compris. Ça m'a... ça m'a défoncé. Je me sens... ça, tout le monde sur un côté. Hop, là ça j'ai compris. Donc là ça va taper sur le dos. Je crois que
crois que j'ai... Alors c'est dans le groupe, j'ai mal pris le tempo. Donc là il va arriver au milieu, tac tac, il va commencer, faire son machin, c'est bien. Bon, il y en a qui est mort. Qu'est-ce qu'il me reste de vie? Bah après, il faut taper. Il faut taper. Du Tarkov? Je ne sais pas. À partir de 20h, j'aurai un truc. Et je pense que je vais me partir manger à 19h. Après, là, il me reste un raid à faire après celui-là. Pour avoir. Pour pouvoir faire mes raids plus tard demain. Je pense que je vais faire un live sur mes raids. Je vais faire de l'astronir ce soir, donc voilà. Je vais jouer une heure limite. Enfin, je sais pas, c'est suivant le prochain raid, comment je le fais, comment je le finis. Non, je voyais pas le truc. Ah. À la limite, sérieux. Ça, il faut que je m'approche de ça. Sinon, je vais mourir. Je suis forcé de m'aider. Oh putain, là. Ok. Ça pue. Ça pue, on a aucun healer. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue, je crois que ça va wipe. Ça va wipe. C'est impossible de gagner. Ouais, on va arriver. C'était un plaisir. Tu prends tout de la. C'est le wipe! Et c'est le wipe. Autrement j'ai compris la mécanique. Mais c'est le wipe. Ah. J'en saute de jouer en plus. Quand même, franchement, il est vraiment beau quand même ce Phoenix, n'empêche. J'aime bien. Il est assez stylé quand même. Donc, comme tu peux voir, Mike Brad, le truc à shell ça bouge. Après, il y a des trucs à respecter en timer pour bien se placer, pour attaquer. Donc voilà. Je suis bête, là je peux baisser hein, le son via le OBS. C'est pas pour ça. Non, ça c'est trop. Si. Non, ça c'est pour baisser en dB. Peut-être le mettre à 1 dB. Stage, je sais pas si c'est bien, tu sais, la barre. Tu sais où tu m'as dit pour baisser les dB. J'essaie de faire la barre là. Je sais pas si ça baisse le son en dB. Qu'est-ce qu'ils disent alors? 4 flammes, 4 ok. 4 flammes de kill, 1 kill de 1. Un cambu, twist. 2 fois. Left, 1 open. Merci à toi, mon cher Fredounet! Merci Blo. Non, c'est pas tout là où tu dois toucher le son, c'est sur OBS. Mais c'est sur OBS en fait que j'ai bougé le truc pour enlever les dB.
J'ai une sorte de réglette et je peux baisser l'audio du bureau. Merci Blo. Tu vois là je live le troisième raid là, actuellement là. De la série des 4. Et là c'est un petit peu chaud là, c'est brûlant avec le Phoenix. Là, je sais pas, il explique la strat, mais moi je crois que je l'ai compris à peu près. La strat, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Et le truc, c'est que on a perdu les deux heals, on va dire à moins 20% de qui meurt le monstre, enfin le boss quoi. Et... ah. C'est pour ça que je vais pas être spoil. Théoriquement, moi je vais m'occuper de ça. Ça, je dois être dessus. Si j'ai bien capté le truc, hop, ça va être sur le machin. Et après, je me tape le boss. Ok, ça, j'ai pas envie. Ça, j'ai pas envie. Ça, c'est capté. Là, c'est des gars pour. Là, il va faire son envol. Je suis bon, je suis safe. Là, il fait son truc. Après, il revient comme un enfoiré. Ok. Il fait un DPS check, je crois. Ah non, c'est pas un DPS check. C'est d'abord les oisillons là, défoncés. Merde, je vais pas. Non, ça m'a sauvé. Ouais. KO. Next. Il va gagner. Ok, l'autre il va apparaître un à droite, un à gauche. Ok. C'est un tank prend un de chaque, je suppose. Et doit le placer dans les extrémités. Si j'ai bien compris. Et voilà. Ça. C'est la vitale comme ça on peut un peu de dégâts. Ça, tac. Voilà. Là on se met sur les côtés parce qu'il y aura un hop. Ça. Je vais défoncer le truc après les démoniaques. Les démons. Hop. Je vais plus taper le coup. Donc là c'est un DPS échec. Avec une sorte de temps pour défendre, j'aurais pu utiliser peut-être ça, les restreindre. Juste là, ça devrait aller.
Sinon ça fait des dégâts, hop là. Donc la dernière c'est là où il faut y aller. Là, bam. Du coup, ça on se met chacun sur un côté. Mais ah, à droite, à gauche, à droite. Ah, c'est stressé. Vous allez faire beaucoup parce que faire mal, je crois que c'est un DB check. Non. Hop, hop, hop. Là. Merde. Là, là, là. Point, paf. Ah, je veux pas d'accord. Ah si, je peux pas. Il faut bouger dardard. Hop, j'ai pris le truc dans la tronche, c'est pas grave. Enfin si c'est grave. Et j'ai pris la sauce et... sinon ça faisait des dégâts partout. Là, ça peut tuer des gens. Tank Buster, va t'en le tank. Hein. Là il y aura les zones. Alors, Armor Zone c'est celle-là. Ouais, on va se mettre là. Je sais plus que... Moi je suis con. J'ai fait le kéké. Ah j'y étais pas, c'est bon. J'y étais pas sans. Allez, c'est la bonne, c'est là. Parfait.
truc. Hop, normalement après ça fait sort de. Là je peux pas taper. Ça se fera du DPS en moins. Oui, il passe là-bas. En fait, il faut que les mecs, en fait, avec le sort de rond autour d'eux, ils éteignent le feu, en fait, les 4 machins, il y a toujours 4 personnes qui tuent. Ça, ça en prend en compte. Ça, ça doit aller. C'était limite. Ah. Ah, ils s'envolent. Sur les côtés. Ça c'est bon. Ouais, les teams. La paix est. Franchement, j'ai vraiment retiré le machin. Il y a une tête là à aider. Je sais pas qui c'est, mais j'espère que ce sera utile. Allez, meurs. Voilà. Eh, dis donc, il était long ce phoenix là. Oh là là. Eh ben dis donc. Là ils font leur technique d'enfermement. Allez, enfermer ce truc à double tour et qu'il soit jamais ouvert. Parce que là... En tout cas, il faudra que je refasse prochainement. Ma foi. Je pense que je le ferai de toute façon demain soir, je pense, avec d'autres membres de la guilde. Donc voilà, ouais, on va faire les loot. Ouais, je crois que je vais plutôt. Attends, c'est qui le tank? Minimum. Je vais honorer le tank humain. Alors, de mémoire, j'ai un torse, je crois qu'il faut 4, je crois 4 torses et 4 ça. Donc je vais voir je vais voir d'abord la C2 là. Je vais attendre que les gens votent. Si un des deux est pris, ben je passe à un autre truc. De toute façon, on a beaucoup de temps pour voter. Limite parce que si je prends ça, j'ai un meilleur vote sur ça, je vais récupérer le truc. Il faut qu'ils votent, les gens. En plus, il n'y a pas de jambes, j'aurais voté sur les jambes, mais. Au pire, hein. Bon, ça c'était pris. De toute façon, il faut que je vote en tous les cas. Ça c'est bon. Oh non! J'ai eu un grand. De toute façon, j'aurais pas eu les. Okay. Ouais, ça... Bon, mais voilà, hein. Ça c'est fait. Shit, je voulais un torse. J'aurais dû passer les trucs en fait. J'aurais automatiquement eu peut-être. Mais enfin. J'ai mal fait mon coup là. Nous sommes venus à bout du proto-phénix. Reste à savoir ce qui reste. Ce qui s'est vraiment passé. Allez. Quelqu'un a employé la magie créatrice pour transformer le hall. Alors, a priori, une seule personne a le droit. D'ailleurs, posons-lui directement la question, tu es encore là, n'est-ce pas?
Il est où? Cette enfoirée misère, impudent. Vous regretterez cet affront. Qui se cache derrière? Qui se cache derrière? Je savais qu'il y avait... que ça n'avait pas d'affaire, un simple intrus, mais je m'attendais pas à tomber sur un mage capable de manier un sort, le sort de cage. Le faux proto-phénix n'était bel et bien qu'un échec, qu'à disgrâce de se faire vaincre par un adversaire qui n'a pas plus d'éther qu'un familier. L'odeur de cette mascarade monte enfin, mon instinct dit qu'il m'avait pas trompé. Et qui est le méchant pas beau? Ah! C'était pas le gentil machin, mec là, qui aide tout le monde et tout, compagnie, qui a le cœur sur la main là? Espéros, c'est toi qui as au cœur de tout ce chaos. Oh putain, forêt. Le pandium est censé être une prison dont nul s'échappait. Seul quelqu'un aussi haut placé que le grand gelé pouvait toucher à son concept et altérer ses murs. Tu auras déchaîné les bêtes, mais dans quel but? Et quelle est cette apparence? Et Richinoz, tu ne fais que vociférer des questions stupides. La situation ne te paraît pas claire. Tu es destiné donc qu'un misérable déchet. Tu ne ressembles en rien à la Beria. Bonjour à toi, Forsom. Hello, tu peux aussi voter seulement sur ce que tu veux et passer le reste. Ouais, je sais. Ouais, au pire. Je peux faire ça. Merci du conseil. Tu es bien Esperados en apparence, mais tu n'es qu'un. Tu n'es plus le même. Celui que je connais traitait toute créature avec compassion. C'était aussi un collègue chaleureux, exemplaire. À moins que tu n'aies caché ton vénère visage jusqu'à maintenant, n'aurais-tu trompé dans le but d'accomplir cette sombre machination. Oh. C'est un vilain pas beau. Tu prouves enfin une puce en manque de perspicacité. Tu ne vois pas les choses. Enfin, tu ne vois les choses qu'en surface. Youpi. Je vais aussi en parler. Mon enveloppe charnelle a changé, mais mon âme reste inaltérée. J'ai toujours détesté le raté que tu es. Ah, cet enfoiré. Comment un incapable comme toi, aussi peu doué pour la magie, peut-il être le fils du grand là? Hein, quoi? Ok. C'est son fils. Ah bon. Je me moque de l'inverser. Il n'est rien pour moi. Okay. L'amour fraternel, non. L'amour paternel plutôt. Paternel, ouais. Je ne te laisserai pas lui manquer de respect. Puisque tu es trop stupide. Comprends, je vais t'expliquer. J'ai rejeté ma condition d'imparfait d'être humain. Ok. D'accord. J'ai fusionné avec une créature exceptionnelle pour me sublimer en demi-dieu et mythos. Ok. Et moi qui servira le mieux là-bas pour commencer. C'est quoi là? Eh mais c'est le sort de pour bloquer. Je vais tous vous mettre en cage. Youpi, on va être en cage. En cage. Pas si vite. Oh, on défonce le truc. Il a défoncé le truc en deux. Tu dénigres Thomas, mais tu es toujours efforcé à accomplir au mieux son devoir. Enfin, il s'est toujours efforcé. Ok. Car la preuve, il connaît ses sorts sur le bout des doigts et c'est grâce à ce qu'il m'a appris que j'ai pu facilement rompre ton incantation. Résultat
les Ukasai et battons-nous en, enfin, battons en retraite. Pour le moment, je sens et selon une puissance hors du commun, nous devrions pas l'affronter sans reprendre nos forces. Enfin, des forces quoi. Okay. Allez, un petit flashbang magique et hop là, on n'est plus là. Un mage que veut de copier et de rompre le sort de cage d'un familier qui réussit à vaincre Protophoenix, je ferai mieux grâce à son égard. Ouais, rien ne se presse. S'il recherche à recapturer les créatures et à sauver les autres geôliers, je me suffis de les attendre au fond des limbes. C'est le dernier boss, je pense, à vaincre. Je vais s'en servir encore. Ok, ben dis donc, ça m'a l'air ouais. Intéressant. Bon allez, Thémis. Et ça, je me sens semble laisser. Non, je me demande pourquoi il pense que ça reste ça. Ok, style. Alors. En tout cas, si on n'a pas un grand choc pour notre ami, enfin ça a dû être un grand choc. Ok, il reste planté là-bas, regardez dans le vide, depuis qu'on est sorti. Je peux comprendre. Allez, on va être en route pour le dernier raid. Il faut juste que je passe les cinématiques et tout, compagnie. Voilà, allons-y. J'aurais voulu laisser Eri Stonios, on va dire. Hein. Seul un peu depuis longtemps, mais on ne peut pas rester indéfiniment les bras croisés. Eh oui, on a du boulot. Il faut qu'on discute au grand geôlier et j'aimerais bien. Enfin, j'aimerais aussi qu'il nous éclaire sur les liens avec la Brea qui nous avait visiblement caché. Avec c'est son paternel. Et... Il fait un peu peur. Alors. Ce champ de force formé de chaînes impressionnant, je l'avoue. Il paraît que c'est la Brea qui l'a mis en place lors de la fondation du Pandemonium. Ces chaînes et celles que j'emploie sont les seuls liens qui m'unissent à mon père. Je m'en doutais bien que tu étais le fils de la Brea. Je n'ai pourtant aucun talent pour la magie, comment as-tu deviné? Peut-être sa tronche. Je sais pas. Juste grâce au sort d'enchaînement élaboré par ton père, tu disais que c'était les seuls que tu maîtrisais à la perfection. Pour les avoir pratiqués depuis ton plus jeune âge, j'en déduis que tu avais sûrement un lien avec l'Institut, voire la Brea lui-même. Ce sont les uniques sorts qu'il m'ait jamais enseigné. En dehors de cela, il consacrait tout son temps à ses recherches, à l'institut. Ma mère, qui était travaillée aussi, m'a élevé toute seule. Tu veux partir d'Athéna, l'ancienne directrice du Pandium que tu as mentionné plus tôt. C'est elle ta mère, n'est-ce pas? Décidément, on ne peut rien te cacher. Oh. En effet, je suis devenu geôlier quand elle me l'a proposé, par respect pour elle, pas pour Lara Beria. Ok. J'ai bien compris que tu ne portais pas ton père en ton cœur, mais au fait, pourquoi a-t-il repris le poste directeur de Pandemonium? J'aimerais savoir aussi. Ma mère est morte, ok. Et là, la Brea n'a ni porté son deuil, ni montré le moindre signe d'affliction. Il a simplement pris la relève sans sourciller. Comme pourrais-je le tenir en estime après ça?
Meurtre, c'est ainsi que tu exprimes la fin de sa vie humaine. Je ne connais pas la Raperia qu'à travers sa personnalité publique, mais je sais que c'est un homme calme et rationnel de toutes circonstances. En toutes circonstances, ouais. Peut-être parfois au point de paraître insensible. Ouais, c'est insensible. Vous le savez tous pour ceux qui connaissent l'histoire, jusqu'à ici. Désolé, mais pourrait-on arrêter de me parler de ma mère? J'en ai assez de me remémorer le visage détestable de la Abera. Voilà. Très bien, de toute façon, ce n'est pas le sujet qui nous intéresse le plus pour l'instant. Parlons plus de Eperos. On n'a pas toujours repéré la moindre trace des autres geôliers, il a dû user de ses pouvoirs pour et de ses prérogatives pour les emprisonner. Ok. À l'heure qu'il est, il prépare sans doute le terrain à son avantage. Oui, largement. Enfin, en vue de notre prochain affrontement, j'imagine qu'il nous attend de pied ferme. Je pense bien. Nous craignons néanmoins le mettre hors d'état de nuire plutôt que chercher à le réaccapturer une fois les créatures. Enfin, une à une les créatures, s'il est vraiment la source de tous les maux. Ouais. Pour le tuer, le déraciner. Si Perseus finit avec une des ailes, pourrons-nous pas la capturer avec le sort de cache lui aussi? Ouais, s'il est techniquement, s'il a fusionné avec la créature, je pense qu'on peut capturer, vu que c'est une créature. Enfin, une créature humaine, enfin bref, mélange. En théorie, c'est possible, mais qu'après une telle tradition, tu préférais capturer plutôt que l'abattre. Enfin, du moins l'abattre. Je voulais l'interroger et lui demander ce qui l'a poussé à agir de la sorte. Ok, de son propre aveu, il cherchait avant tout de servir la Abrea. Ok. Mais le pandémien est sous la. Sous la responsabilité de ce dernier, je ne pense pas que Eperos ferait très bonne impression en laissant s'échapper toutes ces précieux sujets de recherche. Ok, je suis d'accord sur ce point, quoi qu'il en soit, on ne sait pas ce qu'il manigance. Ouais. Il aura l'avantage du terrain d'emprisonner. Non, prisonnier, ouais. Ne sera pas une partie de plaisir. Qu'en penses-tu, Rizukasai? Ça va être dur. Très dur. Allez. Si le surf bouge pas, on l'improvise. Hein, c'est beaucoup. Ouais. On va improviser. Sur le tout final. On peut dire que tu viens un peu pas froid aux yeux. Je ne sais quelle épreuve tu as traversé jusqu'à maintenant, mais. Mais une telle confiance force d'admiration. Ouais. Avec tous les primordiales que j'ai défoncé, oui. Et tous les défis, enfin tous les raids, ouais. Je crois qu'on a le lot avec ce jeu, je pense. Je pense que fait avec un Ricolacas. Ok. Ça me semble un vampire, mais ouais. Une créature qui se nourrit de l'éther de ses proies. Ouais, c'est un vampire d'éther. Et n'oublie pas que grâce à son sas, tu n'es pas modifié en un. Ok, d'accord. Ça va être le bordel. Ça va être le bordel. Bon, bah, c'est type A, hein. On va engager le fight sur ce dernier raid. Comme ça, j'aurais fini ma cire des 4. Enchaînons. Alors, c'est l'abîme. C'est type A, hein, ma foi. Ah, j'ai un équipement qui est. Ah oui. Bon, on va faire un petit coup de réparation, surtout. Allez hop, c'est parti. Bim.
pile poil quand le raid spawn. Allez, on va taper. Taper. Envoyer des GG dans le chat. Allons taper. Ça proc. Allez. Bon. Allez, on va taper du vampire. Je pense que ça va être un mage rouge vampire. Bon, je pense que je vais m'affronter à un mage rouge, je pense. Et forte chance. Vu que son épée ressemble étrangement à une épée de mage rouge. Ah, oh, stylé. Comment il se... Ah ouais. Maître des limbes. Esperos. Allez, je vais te défoncer, je vais te faire refaire le portrait, moi. Allez. First. Ok, bon, y'a pas ça. On tape. On verra après. Ça. On verra après, ok. Là. Sable. Ok, c'est de l'eau. Je sais pas si je connais pas tant de trucs, c'est très cher. Buster, on prend un truc de droit. Et Buster, il y a sur un tank. Ça va faire, hein? Ça va faire. Deux draps ici. Okay. Je suppose qu'il faut rester, donc vous voyez pas là quoi. Donc, alors d'un côté on a une sorte de acide, d'un côté de la terre, un côté. Bon, il faut aller là. Enfin, j'espère. Regardez là, ça je vais faire une attaque comme ça. Je sais pas, je vais là. Oh merde! Mais je suis con. Je suis allé sur les pics. J'ai fait mon dragon. Faut regarder le jeu. J'ai fait moi-même. Oh shit. C'est ballot.
bon, il y a que là, hein, c'est pour les DPS, donc je suis un DPS. Donc, on va ça tomber sur le sens. Là, il sort de. Faut aller vers l'épée? Ouais, ça va. Ouf! Ah ouais! Ah ouais, c'est bien un mage rouge, hein, il se TP sur son. Enfin, je sais pas, il se TP son épée, je sais pas si. Là, il monte ça, je pense qu'il va aller vers son épée. Il va se mettre sur les côtés, je pense. Ah ouais. Non! My bad! En plus, on a perdu les deux temps. Mr. Killer, ils ont un raise. Je m'attendais pas qu'il fasse ça! Mais non! Dis pas qu'il enchaîne tout le temps ça! Oh, shit. Pourquoi ça parle sur le Discord sur le... Je sais pas de quoi ça parle sur le... le chat, ça parle de quoi? What? Qu'est-ce qu'il raconte, mec, bref. Ouais, depuis que ma raise, je suppose qu'il faut aller... Pas du tout compris le truc là en fait. Je suis mort comme ça. Mais... Wait. Non, my bad. Encore. Ah, j'arrive pas avec ce truc là. Mais non. Shimata. Thank you.
volet. Ah, éruption. Ah, je sais pas. Là en fait il faut. Ah faut... Là en fait il faut pas de tank. Là-bas il faut pas de DPS et là il faut pas de DPS. Je crois que j'ai compris le truc. Non, non mais. Ah. J'ai toujours du mal, je pense que c'est à chaque fois c'est soit le truc qui défend sur le cœur en code ou soit c'est ah. Alors faire son portrait ou pas lui. C'était un acte de doigt de rentrer dans ma chambre. Je suis mort. Au dernier moment j'ai vu qu'il y avait ça, je suis dégoûté. Allez tuez-le là, tuez-le, voilà, c'est bien. Au fait, hein, au fait, ouais. Vaincre tous ces démons. Il est KO, il est KO. Voilà. Eh ben dis donc. J'ai réussi. Les conquêtes sont finies. Alors je vais honorer oui, je celui-là. Alors. Oh, j'ai pas eu, mais non! Et trop bibi ça là, non, c'était raffu! Ah! Bon. Je veux ça. Je veux ça. Oh non, c'est des prix. Je joue le bras? Je peux? Ah, pour manger ça. Je crois que c'est deux bras, je crois que c'est qu'il faut. En plus. Bon, je vais voir. J'ai fait ça, je vais voir vite fait. Et j'ai eu mon épée de la semaine. Et je crois qu'il en faut 5, je crois, ou 4. Enfin, du moins, il en faut quelques-unes pour avoir l'épée. Au final, avoir l'épée du des raids. Allez. Bon, on l'a bien rétamé, lui. Voilà.
Maintenant, Thémis, capturons-le. Voilà, on va lancer une Pokéball géante. Je crois qu'il y a... Non, il y aura un truc. Vous ne m'aurez pas... Quoi? On lui a rétame la tronche et non, il veut pas. Ok, d'accord. Méchant pas beau. Un demi-dieu comme moi, vaincu par un être. Un être premier, vu quelconque à croire que c'est toi, dont j'avais dû me méfier le plus. Mais ouais, il faut se méfier de moi. Je suis défoncé. Encore une fois, jusqu'à ce que je l'enferme. Vous n'avez beau m'avoir battu, vous n'en perdrez pas pour autant. Vous ne pourrez ni me piéger, ni me faire parler. Ok. C'est terminé, Espéros. Tu es à bout de force. Certes, mais je déciderai moi-même de ma propre fin. Ah, il veut s'auto-tuer. Touche pas à cette chance. Ok. Il se ôte la vie tout seul. Ok, d'accord. J'aurai au moins la joie de ne pas trahir mon maître, mon admiration éternelle et ma mort glorieuse. Ah oui, tu te suicides et... Ok, d'accord. Ok. Retourne à Aether, hein, ma foi. Ok. Espéros, c'est toi qui es stupide. Largement. Tu diriges les limbes de main de maître en tant que grand geôlier et tu avais bien plus de mérite que moi aux yeux de la Apérea. Et à présent, te voilà défait par celui que tu traites d'incapable. Ah là là. Et ce qui va conclure, on va dire, les chapitres du raid 1 à 4, je pense, avec ça. Il a placé ses propres désirs avant son devoir envers ce monde, mais dès qu'il a compris qu'il pourrait les assouvir, il a choisi de retourner à la planète. Je suppose que c'est une fin comme une autre. Ouais. J'aurais au moins voulu qu'il nous explique la raison de ses actes. Ouais. Sa vénération pour l'Arabia et sa jalousie d'empreinte de haine envers toi ont dû prendre de telles proportions qu'il a perdu la raison et il s'est laissé dévorer par sa soif de puissance. L'argent. Comment le fait d'admirer une personne peut-il conduire à haïr une autre? Humain. Dans un sens, c'est peut-être moi-même qui éprouve un sentiment similaire. Okay. J'avais moi aussi quelqu'un que j'admirais et qui m'a montré la voie à suivre pour l'avenir de la planète. Ok. En tout cas, quelle que était l'intention de Péros, nous devions maintenant pouvoir sauver les autres geôliers et les créatures. C'est tout ce qui compte, tout ce qui compte pour le moment. Ok. À ce sujet, j'ai une bonne nouvelle. L'emprise magique que Déperos avait sur les lames sont dissipées. Je devrais donc être en mesure de leur rendre leur état originel en prenant le contrôle des lieux. Ok, d'accord. Intéressant. Prendre le contrôle des lieux, tu en es vraiment capable. Il a des ressources, lui. Cette aura. Une aura? Je crois que c'est ce qu'il y a là-bas. Le passage qui mène au purgatoire, la section de pendium située sous les limbes. Qu'est-ce qui est? Quelque chose ne va pas? Soyez sauvegarde. En rendant aux limbes leur état d'origine, j'ai pu percevoir une puissante aura provenant des niveaux inférieurs.
Et ça sera la prochaine série des cadres, je pense, qui arriveront plus tard. En tout cas, alors, je vois les statues hydres, une sorte de hydre. Ça me semble quelque chose de hard derrière. Ce chanteur, s'il peut passer vers le périmètre. Okay. Retournons à la surface et il nous faut revoir nos plans. Ok. C'est sombre à faire et loin d'être terminé. Largement. Il reste encore celui-là, enfin le prochain et l'autre prochain. Il y a de quoi. D'abord, j'ai une mauvaise nouvelle. La situation au Panium est cette fois toujours arrangée. Et que nous avons vaincu Hyperios. Ok. Je suis pas sûr de te suivre. Tu veux dire que Hyperios n'est pas le seul responsable dans cette affaire? Largement, il y a d'autres choses. Il y a d'autres personnes dans la vie, hein, aussi. Hein. Il semblerait que non, malheureusement, mais la véritable source de nos ennuis se trouve dans le purgatoire, le bord de au-delà. Quand nous avons attaqué notre. Enfin, quand nous avons. Quand tu nous as attaqué à notre arrivée, ici tu étais en proie à une grande confusion. Tu devais être manipulé par le véritable cerveau d'opération qui doit être. Qui doit exceller dans l'art du contrôle mental. Peut-être a-t-il jeté à Hyperios un sort exacerbant son mission qui expliquait l'incohérence entre ses motivations et son comportement. Et puis il y a également cette histoire de fusion. Attends un peu. Opérateur et niveau suivant compte autant de geôliers et que. De redoutables créatures. Comment tu l'as pu. Enfin, comment, comme tu l'as peut-être deviné, tes compagnons ont sans doute été retenus à l'intérieur dans le but d'être fusionnés à des bêtes. What the fuck. Et former ainsi d'autres Emitos. Ça va piquer! Tu crois qu'ils ont déjà tout subi? Transformation qu'a fait Hyperios. Il y a des chances. Non, une telle métamorphose prend son temps. La plupart des geôliers doivent être encore sains et saufs. Malheureusement, le passage vers le purgatoire est maintenant bloqué par leur champ de force. Nous devons étudier sous toutes ces coutures pour trouver un moyen d'entrer. Logique. Il faut qu'on retourne là-bas alors. J'espère que les créatures qui errent encore dans les parages ne vont pas se mettre en travers notre chemin. Ouais. La bonne nouvelle c'est que j'ai toujours le contrôle des limbes grâce au sort K. Je vais réussir à capturer tous nos évadés en un seul coup. Ah ouais. Vraiment. Alors tu vas au moins pouvoir rétablir l'ordre dans cette section. Mais j'aurai ensuite besoin de ton expérience de geôlier pour m'aider à gérer toute cette ménagerie. Ensemble, on devrait pouvoir sécuriser les lieux, le temps de trouver un moyen d'accéder au purgatoire. Cependant, pour être franc, je ne pense pas que cette histoire prendrait une telle ampleur. J'aimerais qu'on règle nous-mêmes le problème, si possible, mais... Il y a toujours un mais. Tu vas transmettre un rapport à la Brea. J'y réfléchirai quand on tiendra le purgatoire. On va d'abord s'assurer que les autres geôliers sont hors danger et ensuite on découvrira l'identité du véritable coupable. Je prendrai ma décision après. Par après. Ok. D'accord, je préfère encore faire appel à la Brea plutôt que risquer de ma vie de mes compagnons. Mais si ce n'était pas Hyperios qui tirait les ficelles, ses paroles prennent un autre sens. Donc sans doute mieux vaut être prudent. Ça cache que le truc, mais je pense que nous devons rester au panneau, mais nous n'aurons pas nous battre. Okay.
supposer que c'est comme ça, tu es sûrement le plus fatigué entre nous trois, même si je sais que Tammy est seulement très occupé. Vous accomplissez bien tous les deux, ta, tout ce que je préfère hein, côté s'éveiller, ce que créature demeure en captivité. Ok. Tu es aussi, mais je ne nous aurons jamais réussi dans ton conseil, ta parfaite maîtrise de connaissance, donc ok. Nous sommes tous différents, mais ce sont justement nos différences qui font la notre force. C'est l'alliance de nos atouts respectifs qui nous permettra de sauver Pandélium. Merci, je suis peut-être trop laissé démoraliser par les critiques de Péros à mon égard. Ensemble, nous allons secourir mes compagnons, geôliers, ainsi que nos amis, les bêtes. Ouais, sans aucun doute, ce lundi, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça devrait s'opposer. Merci. Et tu pourrais être... Enfin, tu pourrais peut-être en profiter pour livrer un compte-rendu à la personne qui te l'a confié le cristal. Qu'en dis-tu? Largement. Voilà. Bon. Je parle à qui? Ah, il faut que j'aille là. Tac. Peut-être je vais me téléporter autre part. On va se téléporter là. Je crois que c'est Rasta. Ouais. On va se téléporter là-bas. C'est parti. Alors que tu peux être connerie. Alors moi j'ai ça comme token. Alors, le vent, le PNJ au token, il est là, voilà. Alors, je crois que c'est guerre 1, moi. Hop. Ah, je peux avoir déjà avoir un bras, du moins. Ça, c'est bien. Ah, mais attends, ouais, ça, c'est 2 têtes, 4 torses, jambes. Enfin, ouais, jambes, c'est 4, 2. Ok. Et déjà, on va prendre ça, hein, ma foi. Alors c'est celui-là, 580. Changer. Hop, voilà. Du moins j'ai remis mes bras. Intéressant. Ok, on va mettre ça. Et je vais appliquer. Ah mais j'ai pas encore, c'est vrai que j'ai pas encore les... C'est Tiamat. Je vais les mettre là. Il y a la teinture qui est avec. Donc ça tac. Et j'ai jeté ça là-dedans. Ça. Ça. Donc là il faut deux bottes pour avoir mes bottes. Cas par cas. Ça pique un peu. Ouf, ça pique un peu. Non, ça va, j'ai l'argent. Mais ça pique un peu le voyage. Ça pique un peu. Ok. Là, je vais revoir la conclusion du truc des 4 premiers raids. Je suis content de vous voir, au revoir, Rizu Kasai. Avez-vous trouvé des indices lors de votre incursion dans le passé? Oui, j'en ai pas mal. tout ce qui se passe. Mais donc la cible d'une attaque, je pensais pas que cette enquête vous mènerait à devoir affronter la dangereuse créature des temps anciens. Heureusement que vous êtes revenu sain et sauf. Ok. Mm-hmm. Mm-hmm.
message du cristal disait donc vrai, mais nous ne savons toujours pas qui est l'auteur. En effet, il pourrait s'agir d'un ancien de cette lointaine époque ou d'une personne qui aurait eu vent de son incident ultérieurement. Le mystère des souvenirs conservés dans le cristal reste entier. Ok. Une constatation intéressante cependant, les actions de Ryusakasai, je vais dire mon nom ou quoi, auraient dû altérer le passé. Or, notre ami a pu revenir sans encombre dans le même présent dont il était parti. J'en conclus que les intrigues du Pandium font partie de la trame de notre histoire et que l'intervention de Ryusakasai était inéluctable. Ouais, voilà ça. Maintenant que le destin est en marche, je n'ose imaginer les conséquences si nous ne continuons pas à s'entrelancer, surtout dans l'hypothèse où le véritable coupable parviendrait à libérer toutes les créatures du Pandémon. Ouais, ça fait du bordel. Le coup avec un tel événement renforcerait à non point douter l'effroi, le désespoir des anciens, de quoi engendrer des bêtes à la puissance inégalée lors de l'apocalypse mauritaine. La catastrophe de jadis pourrait donc avoir des conséquences encore plus désastreuses au point de compromettre l'existence même de notre présent. Ah ouais, j'avoue. Ça ferait un bordel. Qu'est-ce que ça a eu pour éviter un tel scénario entre. Enfin, le lien entre l'avenir et l'épice et notre présent ne doit pas être brisé. Il faut tout prix que vous mettiez fin à ces machinations. C'est mon job. Je suis navré de placer une seule responsabilité sur vos épaules. Nous ferons tout notre possible de notre côté pour vous aider. À ce propos, pourriez-vous me rendre le cristal avant nous tentons d'en extraire d'autres bribes de souvenirs. Je m'abuse, vous n'aurez pas besoin pour retourner sur point d'avion. Ouais, j'en ai pas besoin. Merci, vous n'avez qu'à proposer. Enfin, vous n'avez qu'à vous reposer pendant que nous procédons nos recherches. Faites-nous confiance, nous avons mis ton moyen de notre côté. J'ai notamment engagé une nouvelle assistante. Ok, elle s'appelle Mélanie. Elle est une recherche spécialisée dans les armes et les armures et toutes d'époque et tout lieu. Si vous trouvez dans le passé des objets qui nous apparaissent intéressants, apportez-lui dès qu'elle soit à leur état. Grâce à de nombreuses relations, elle devrait pouvoir améliorer et vous les échanger contre des autres pièces d'équipement et meilleures panoplies serait sans doute utile, surtout que vous êtes de nouveau amené à vous battre. Ok. Fun. Ninjim va se charger en outre des consignes de toutes les informations où vous faites part. Si vous voulez vérifier un point précis, n'hésitez pas à lui demander. Ok. Cette petite référence de là à la fête, mais lol. Ah! Au secours! J'ai l'impression que ces recherches sont de plus en plus importantes pour ma vie. C'est pour un immense honneur et un véritable soulagement de nous avoir à nos côtés dans cette entreprise. Soyez certains, j'y mettrai tout mon cœur. Okay. Si nous parvenons à analyser les souvenirs contenus dans le cristal, nous obtiendrons sans doute des enseignements utiles sur les dessous de Pandium et nous en irons au courant dès que nous aurons du nouveau. Apportez-nous ici. Okay. Allez! Vivacité, sérénité, ténacité, pité. Ouf. Ouais, on prend ça. Ok. Bon. Kona. Kona okay. Non, c'est ce PNJ là. Et il donne quoi? Ah, c'est les mêmes PNJ. Ok, c'est. Ok. Donc, je peux acheter directement ici. Ok. Donc voilà, je vous dis à plus tard pour notre live. Je vous dis bye bye. Et merci d'être venu sur le live pour certains et pour d'autres et pour les nouveaux venus aussi.
J'en ferai peut-être un live sur FF14 demain avec d'autres personnes de la guilde. Donc voilà. Allez, tchuss.